الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلم وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى أما بعد يا إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La semaine dernière, je vous ai promis de parler de riba. Et je vous ai promis, voilà, ça c'est la fatwa du Majlis al-Iftal européen, du Conseil européen de la fatwa. Celui qui la veut, je peux lui donner, vous pouvez la retrouver sur Internet, vous pouvez aller sur le site. On pourrait la détailler, mais j'ai choisi Rad al-Ulama. Avant de rentrer dans ça, je répondrai à une question, et après on va rentrer dans sa chambre. La semaine dernière, on a parlé de bouilleur, et on a parlé, enfin les ventes, les achats-ventes. Et on avait dit que quand il y a un vice caché, on n'a pas le droit. Voilà, la vente n'est pas valide. Hein. La vente est invalidée s'il y a un vice caché. Et il y a un frère qui m'a questionné à la fin de notre repas en me disant « Est-ce que si je montre le vice caché ?» Il a bien fait de me le dire. Parce que si on montre le vice caché, la vente n'est pas invalide. Par la... Non. Tu montres le vice. Voilà, s'il n'est pas caché, il n'y a pas de problème. Ok ? Si tu dis « Je te vends une voiture, mais le moteur il est HS », il n'y a pas de problème. Je sais que le moteur est HS. Mais si tu me vends une voiture et tu me dis « Ah, le roule, il n'y a pas de problème, tu verras mon frère et tout, vous savez, hein ?» Et puis finalement, le moteur, il reste 50 km, tu arrives à la maison, elle est en panne. Non, « Hadane et Jus ». Ok ? Voilà. Donc, on reviendra sur le bouillon, Inch'Allah, hein, sur les termes de vente et tout, les milles. Alors, donc on a parlé de « El Fatwa ». Alors, ce que vous devez savoir, les frères, avant de rentrer dans le fatwa, masadir tashri'a fi l'islam. Quand nous, on parle en islam, on dit une aïna, à partir d'où on sait que ça c'est halal ou ça c'est haram. À partir de quoi? Hadith. Non, c'est le hadith. Le Coran, c'est le corps. Okay, c'est le corps. Et après le hadith. Okay, et après la sunna, en fait. Et la sunna englobe beaucoup de choses. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, englobe beaucoup de choses. Le hadith. Et la sunna du prophète, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a acquiescé. Bon, on peut détailler. Après ça, si on n'a pas de texte dans le hadith et dans la sunna, qu'est-ce qu'on fait? On a l'analogie, avec la yes. Je vais donner un exemple. Bon, c'est un peu gros comme analogie, mais ce n'est pas tout à fait ça l'analogie. Mais est-ce qu'on a un texte sur la drogue? On n'a pas de texte sur la drogue. Mais les ulama, ils vous disent, les savants, ils vous disent, tout ce qui fait partir la raison est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool, il fait partir la raison. Donc l'illa, la cause, c'est quoi? C'est la perte de raison. Toute chose qui fait perdre la raison devient haram. Voilà. Donc alors, qiyas. Après le qiyas, on a quoi? Là, chez l'ijtihad. L'ijma. C'est quoi l'ijma? L'ijma, c'est que les savants sont tous d'accord sur un avis. Ok? C'est ça l'ijma. Or, quand est-ce qu'on n'a pas l'ijma? S'il y a un savant qui conteste un avis juridique, l'ijtihad, il n'y a plus de l'ijma. L'ijma, c'est le consensus. C'est-à-dire que tous les savants sont d'accord que ça c'est halal ou ça c'est haram. Vous êtes d'accord? Vous suivez? Ok. Hadi il fatwa. Fais l'ijma. C'est une fatwa. Une fatwa. Elle est valable dans le temps. Et elle est valable aussi pour le lieu et pour les personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'histoire qu'on a racontée souvent de Ibn Abbas. Quand quelqu'un vient le voir, il lui dit « Halliqatili nafsi min taubatin ya'ima ». Est-ce que quelqu'un qui est assassiné, il peut se repentir? Le premier lui dit non, il ne peut pas se repentir. Puis il y a quelqu'un qui vient après, un jour, deux jours ou une semaine après, et qui lui dit « Est-ce que quelqu'un qui est assassiné, il peut se repentir ?» Il lui dit oui. Il peut se repentir. Et vous voyez bien que c'est la même question. Et pourtant, il ne répond pas de la même manière aux deux personnes. C'est dû à quoi? Et quand les élèves de Ibn Abbas l'ont questionné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le premier qui est venu n'avait pas commis l'acte. Il a vu dans ses yeux, et comment il l'a vu dans ses yeux?
C'est le cœur, mes frères. Hein? C'est le cœur. Plus tu lis Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait voir les choses que le commun des mortels ne peut pas voir. Donc comment il a vu? Il a vu par son cœur que le premier, il allait commettre l'assassinat. Donc il lui a dit, il n'y a pas de repentir. Le second, il avait commis l'acte. Il est venu demander, est-ce que je peux me repentir? Oui, tu peux te repentir. Donc vous voyez, la fatwa, selon la personne, elle n'est pas la même. Alors, dans la fatwa pour qui? Pour les habitants d'Europe. C'est ce qu'il dit, hein, pour les habitants d'Europe. Avant de donner la fatwa, si vous lisez la fatwa, hein, le conseil confirme le consensus de la communauté dont fait l'objet de l'interdiction de l'usure. C'est-à-dire, le conseil dit quoi? Que l'usure, c'est haram. L'usure, c'est haram. Ok? Et l'usure, c'est quoi? C'est, je te donne 100 et tu me donnes 120, tu me rends 120. C'est ça, l'usure. L'usure, c'est ça. Ce qu'on appelle timidement aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt. C'est l'usure. Là, ouais, l'usure. Et d'ailleurs, si vous allez sur les sites économiques, on vous donne les données, par exemple, de l'économie française. On vous dit le chômage est de temps, l'inflation est de temps, la croissance est de temps. Ouais. Et on vous donne le taux d'usure. Le taux d'usure considère qu'à partir de 14 ou 18%, on est en taux d'usure. Vous voyez? Taux d'usure. Et c'est Mahoul et Yolkirchwa. Je reçois beaucoup de doléances. Entre autres, des gens qui viennent et vous disent, je suis dans une... J'ai reçu une dame qui nous a écrit, connaît le téléphone, elle me dit, je travaille. Bon, elle a divorcé avec son mari, elle a un enfant qui est assez grand, qui va à l'université. Elle travaille, elle paye un loyer. Mais elle est submergée de dettes. Et souvent, quand on est submergé comme ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande. Parce qu'on pense qu'on est intelligent, qu'on a écouté la radio. Mais c'est vrai ce qu'ils disent à la radio ou à la télé. Vous voyez? Mais en fait, c'est Sahara. Vous savez ce que c'est Sahara? Ok? Des sorciers. Il tourne la tête, lui il s'en fout. Lui il te donne le crédit, il prend des garanties. Tu n'arrives pas à payer, il y a l'huissier qui va te poursuivre pendant 30 ans. Vous voyez? Donc. Alors, les gens, ils pensent que, oui, je paye 900 euros, si je fais un crédit, je paye aussi 900 euros, et à la fin, j'ai mon kalala kebel ne kasataïch, premièrement. Qui va te dire que tu vas vivre ça? Ensuite, ce que tu ne sais pas, c'est que si tu arrives à un accident, et on l'avait dit ça, les frères, si tu arrives à un accident dans la vie, la banque, elle s'en fout. Tu arrives à un accident, tu n'as plus de boulot, par exemple, la banque, elle s'en fout. Tu as payé 10 ans, ok, tu as payé 10 ans. Pendant 10 ans, tu as payé 1000 euros par mois, ça fait combien 10 ans, 1000 euros par mois? Ça fait 12 000 par... 120 000. Ça fait combien? 120 000, ouais. Tu as payé 120 000, la banque, elle te demande la mise de départ. Tu as donné 200 000, tu as payé 120 000, elle te demande 200. Parce que tu as fait un crédit sur 30 ans. Mais ça, il faut le savoir, les frères. J'ai reçu un mail dans le site, on a reçu un mail. Où le frère, il me dit, j'ai acheté une voiture, c'était marqué à 0%, mais je n'ai pas regardé, j'ai signé. Et maintenant, je suis allé et il m'a dit, t'as fini de payer les intérêts. Alors, tu ne sais pas lire, le frère. Tu ne sais pas lire, là, tu fais exprès. Non, mais sérieusement. Ils vous disent à taux zéro. Balek, avec 1000 euros à taux zéro. Balek, je ne sais pas comment il fonctionne. Hein. Mais à taux zéro, pour t'attirer. Tu n'as pas compris les techniques de vente. Tu sais, quand vous rentrez dans un supermarché, vous avez toujours, quand vous rentrez dans un supermarché, les premiers, quand tu rentres, la première chose, vous avez généralement des produits qui coûtent cher. Très cher. Grand télé ou là, des ordinateurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'après, quand tu vas dans un produit, quand tu vois un produit qui coûte 1500 ou 2000 euros, quand tu avances, tu vois un produit qui coûte 25 euros, ça ne te paraît pas cher par rapport à ce que tu avais au début. Il faut un travail psychologique sur toi. Quand tu vas au supermarché, tout ce qui est à ton regard, là, ce que tu vois là, ce n'est pas le moins cher. Les marques payent plus pour mettre le produit à ton regard, à ton niveau, ici. Ce qui est en bas, c'est moins cher. Et ce dont tu as besoin, le lait, l'eau, il est au fond là-bas. Comme ça, toi tu fais tous les rayons avant d'arriver au lot, et tu vois des trucs, ah, il y a une promo là, il y a une promo là. Et finalement, tu achètes des trucs dont tu n'es pas venu acheter. Ça, c'est des tigres de vente, mes frères. Et donc, c'est pas ça. Aussi, hein. Il faut qu'il soit un consommateur éveillé, un cœur en éveil. Mais ne te dire, ne te couler. Mouhtab, il dit, tabdir, c'est quoi tabdir? Israf ou tabdir? C'est quoi le gaspillage? C'est que tu manges, dès que tu as envie de quelque chose, tu la manges.
Et tu achètes des trucs quand on va au supermarché. Je vous parle de ça, je suis comme vous, hein, les frères. Hein. D'accord. Moi aussi, je vais au supermarché. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé les prophètes, ils font partie des gens. Hein. Donc moi aussi, je vais comme vous, je vais au supermarché, j'achète tout ça. Donc tout ça, je le vois. Des fois, tu achètes des trucs, tu n'en as pas besoin. Mais tu dis, subhanallah, j'ai trop acheté. Il y a la promo, tu achètes deux, ils te rajoutent un troisième. Et les gens, ils se battent pour. Enfin, ok, donc tout ça, il faut que l'insan, le musulman, il faut qu'on recadre tout ça selon notre conception de la consommation. Il faut qu'on recadre tout ça, l'insan musulman, c'est pas ça. Ok? Donc on a dit, Mujlis al-Ifta al-Europi, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, il dit riba haram. C'est dans la fatwa. Elle est là, les frères, hein, celui qui nous la voit. Donc elle est là, la fatwa. La première chose, il dit riba haram. La seconde chose, il dit, le conseil invite les musulmans d'Occident à s'employer à trouver des alternatives juridiques légales qui ne présentent aucune controverse. Donc avant de faire la fatwa, yuhadir, il dit d'abord la riba haram. La seconde chose, si tu peux trouver une alternative, vas-y. Une alternative à riba, vas-y. Et essaye de trouver une alternative. Et en fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça, c'est haram? C'est facile d'aller à la banque. Et dans les affiches de paie d'aller à la banque, vous savez, il y a plus facile qu'un crédit immobilier. Pourquoi? La banque ne paie rien. Il y a la maison. Tu ne peux pas payer le travail de la maison. Point. Il y a une garantie, un nantissement derrière. Donc, sachez-le. Ok? Le conseil invite également les différentes organisations et institutions musulmanes à négocier avec les banques européennes traditionnelles pour trouver à cette transaction financière une forme islamique. Ouais, ok. On va négocier. Et le conseil, qu'est-ce qu'il dit? Le premier fondement de la fatwa, il dit la règle juridique, la nécessité lève l'interdiction. Avarura, tubiho. Parce que le conseil répond à quoi? Il répond à une demande de gens qui habitent dans des quartiers délabrés, où il y a la délinquance, la drogue, tout ça. Ils disent, nous, on veut sortir de ça. Ok? Donc le conseil, il se base sur Mabda al-Varoura. Et c'est la première critique que lui apporte l'ulama. Mabda al-Varoura, comme dit Ibn Hazm al-Suyuti. Alors, il dit... L'usure compte parmi les interdictions catégoriques et absolues dans la législation musulmane. Ça, c'est la critique de la fatwa. Mabda al-Zaroura, c'est quoi, Yuhal Ikhwa? La mère pour le Mabda al-Zaroura, c'est ça ou la mort? Yani, soit tu manges ce que tu as devant toi, même si c'est une maïta, soit tu meurs. Alors, est-ce que nous sommes arrivés à cette nécessité pour aller demander un crédit pour acheter une maison? La mère pour le non. Parce que ce qu'on a dit la semaine dernière, on avait dit que la nécessité, c'est pas d'être propriétaire. La nécessité, c'est de se loger. Et si, en se logeant, sans passer par le haram, tu essaies de monter un plan financier pour acquérir une maison, fais-le. Mais pourquoi tu vas aller vers le haram en disant que je suis... là, tu sors du quartier, il n'y a pas de problème. Mais fais tous les moyens pour sortir du quartier. Tu n'es pas obligé d'acheter. Et quand je dis que tu n'es pas obligé d'acheter, si tu veux acheter, marhaba, tu n'es pas obligé de passer par le crédit usuraire. C'est ça qui est haram. Vous comprenez, les frères? Voilà. Aujourd'hui, j'ai apporté une réponse juste par rapport à Mabda al-Zaroura, le principe de nécessité. Je vais le détailler, Inch'Allah, la semaine prochaine, et je vais répondre à deux autres questions, bi'idhnillah. Je vais détailler le principe de nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire, darura? Et comment les choses interdites peuvent devenir légales en cas de nécessité? Et ça, c'est mabda' min mabadi' l'islam, bi'idhnillah. Ça, c'est... Il faut qu'on sache, ok? Bi'idhnillah. Alors, je projette avec vous aussi de faire, et c'est ce qu'on va faire avant les assises, avant l'assise, avant le Jumu'a, bi'idhnillah, de vous raconter un petit peu qui étaient les grands savants. Je connais l'imam Malik, je connais l'imam Shafi'i, je connais l'imam Bukhari, je connais l'imam Ahmed. Qui sont ces gens-là? On entend. Qui c'est l'Aziz ibn Abi Salam? Vous voyez? Qui c'est Ibn Taymiyyah? On entend parler d'Ibn Taymiyyah, on ne sait pas quand est-ce qu'il a vécu, on ne sait pas. Al-Nawawi, Suyuti. Ils étaient à quelle période?
في القرطبي شكون هو؟ شكون هو ابن العربي؟ راه يا ابن عربي وابن ابن العربي. يا ابن العربي المعافري الاشبيلي، ابن العربي بالالف واللام، اي لوي سي ان غران سافون ملك. ويا ابن عربي الصوفي، سي با لا ميم شوز، اوكي؟ كي ني كي مور ا دمس. بون، ان شاء الله dans les futures Jumu'ah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, je vous donnerai un petit peu de chaque savoir. Pour qu'on accède un petit peu au savoir, les frères, parce qu'on vient le Jumu'ah, on écoute un petit peu le prêche, tout ça, et on s'en va, et on est assailli d'informations alors qu'on ne connaît pas notre histoire et on ne connaît pas le savoir qu'on doit savoir. Ok ? Barakallahu fikum, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu yaghfir lakum, innahu al-ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك.